aime. Oui. Tu veux la cuisine. Oui, 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 oui. Va te la donner. Chef, j'y aime. Oui. Tu veux la cuisine. Oui, 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 oui. Va te la donner. Chef, j'y aime. Oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui.
te la donner, chef JM, oui, tu veux la cuisine. Oui, 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 oui. Il va te la donner, chef JM, oui, tu veux la cuisine. Oui, 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 oui. Il va te la donner, chef JM, oui. Viens le voir dans son bateau, tu pourras lécher son couteau. Viens le voir dans sa brouette, tu pourras pétrir sa baguette. Viens le voir dans son tipi, tu pourras tremper ton biscuit. Viens le voir dans son palais, tu verras sa pièce montée. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, chef JM, oui. Et est-ce qu'on n'est pas mute là? C'est bon, c'est bon. Un, deux, test, le test, alors, test, test, test. One, two, three, viva la Jerry. Si j'allume pas la carte son, ça peut pas marcher. Et merci Chachachou pour le 8e mois, niveau 2. Et la semaine prochaine, tu vas recevoir le colis. Il y a des surprises, t'inquiète. Salut Alcerial, salut Odel, salut Andri, ça dit quoi? Andri, c'est bon pour demain les bails ou s'il n'y a pas de changement de programme? Comment vous allez? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine aujourd'hui? Ça sort, on a la coriandre, on a le persil. Easy Tug Weekend. Ah voilà, c'est ça qu'on veut savoir. C'est ça qu'on veut. C'est les vacances bientôt ou pas? Aya 3, tu me redis. T'inquiète, je t'envoie le colis. Après, on fait les... T'inquiète. Tu vas recevoir le colis, tu vas dire « Oh, vraiment, c'est pas mal, hein !» Ok, on a ça, ça, les petites échalotes. J'essaie de t'envoyer ça la semaine pro. Xawirs, comment ça va? Et EasyTuck, ça dit quoi? Ça fait 2 milliards d'années à peu près. Little Man, salut! Aujourd'hui, samosa. Il n'y a pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Et après, je crois que je vais faire des petits restes. Là. Il me reste de la pâte feuilletée un petit peu. Il me reste de la saucisse, il me reste du morbier. T'as capté ce que ça va faire. Start au morbier. Salut, Boyerman! Moi, j'ai fait une sieste tout à l'heure. 14. De 14 à 16h30. Incroyable. J'avoue, ça date. Bah ouais, ça dit quoi? C'est bon, tu participes dimanche? Eh, merci, hein. Et merci. Je vais voir, Chachachou, si on peut pas se faire
un vocal en Discord ou un truc comme ça. Je vais réfléchir. Frère, je suis en régime particulier, tu vas me faire flancher si je viens trop. Ah merde! C'est par rapport, c'est quoi, tu, c'est une perte de poids ou c'est rééquilibrage alimentaire ou... Ah les régimes, c'est dur hein. Perte, non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, la fit life, tout ça. T'as raison. Nous, nous là, on aime bien la fat life même. Coucou tout le monde, impossible de se resub, y'a que moi. Bah non, Chacha Chou, elle s'est resub aujourd'hui. On a, vous avez cassé les subs? Impossible. Bah c'est bizarre, non? Hein, attendez. Vous avez plus d'argent? Ah bah non, j'ai essayé de vous ouvrir un sub, ça marche pas. Genre ça fait le fantôme. Ah bruh. Et si t'actualises? Bizarre. Lèvez-vous madame. Bizarre. Peut-être que vous êtes encore sub? Non, je sais pas. C'est pas grave. Bon aujourd'hui, samosa, sans boss, samoussa, appelle ça comme tu veux. Les meilleurs, ils sont ici. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ils ont cassé Twitch encore. Bah non, Chacha Chou, la resub là, avant le. Il y a 2 minutes. Salut Tiger Glue. Je sais pas, bah si les subs s'est cassé, c'est pas grave, on resubera dimanche. N'oubliez pas dimanche, c'est à cause de la bagarre. Trop de com. Dimanche, à 11h30, il y a le calque numéro 3, cuisine avec le chef. Je connais, on a donné des noms d'émissions et tout un peu. Au menu, je vais vous dire ça de suite. Parce que j'ai complètement oublié de ce que j'ai fait. Le Discord. Et on aura un invité, normalement. On aura un invité, s'il se désiste pas. À votre avis, c'est qui? Calque, info calque. Donc en entrée, on fait entrée plat dessert. On fait entrée plat dessert normal. On fait petit tartare de concombre et de tomates. Michel Dumas, non. C'est El Pera, non plus. Donc ça c'est petite entrée, tranquille, tu connais. Pour un peu de fraîcheur. Deuxième, en plat, on a un poulet curry et riz basmati. Coco, Philippe Etchebest, non. Non, non. Nian, ah peut-être, mais non. Donc on a poulet au curry et un riz basmati à la coco. Maeva Travel, elle est à la Réunion, Maeva. Et en dessert, panna cotta, coulis d'abricot. Après, voilà. Donc vous avez toutes les, vous avez les ingrédients là, sur le Discord. C'est sûr, c'est quelqu'un qui doit aimer le poulet. Ah, sûrement. Tu l'as participé. N'hésitez pas, il y a la liste des courses. Même si vous faites qu'un plat, ou que l'entrée, ou que le dessert. Doksha, non. Donc voilà. Et après, donc chacun fait son petit plat en même temps. On le fait en même temps. Et puis après, il y a les modos qui décident quelle est la plus belle assiette pour eux qui donne le plus envie. Et cette personne, on lui fait gagner un petit giveaway, un t-shirt, un petit... Luta, non. Bizarre. Donc voilà, soyez présents pour le cas. D'ailleurs, je sais pas qui y a... Est-ce que, Chacha Chou, tu peux te mettre... Chacha Chou, tu peux te mettre en vert sur le Discord. Il y a MJuju qui le fait. Il y a Chacha Chou en ASCII, il y a... Il y a Odel. Odel, tu vas le faire? Et puis moi, non.
Carabistouille, Doksha, Mei, Soliak, Zin. Et hop, Chachachou qui vient de basculer à l'instant. Par contre, Juju, elle s'est mise sur Askip. Et, bref, je crois que Doksha le fait aussi. Bref. Allez, on va commencer tranquille. Non, je fais pas. Ok, Odell. Flooring Dancer. Tiens donc. Tiens donc. Allez, on va commencer tranquille. Est-ce que l'image, elle crépite un peu, là? Ouais, je vois. Salut, Christ. Ici. Flooring Dancer. Comment ça va? Donc aujourd'hui, on va faire deux types de samosa sans boss. On dit sans boss à Madagascar. Donc, on va faire bœuf. Bœuf, c'est classique à Mada. Et on va faire fromage. Fromage, on en trouve beaucoup à La Réunion. Madagascar, on en trouve aussi. Mais un peu moins, je trouve. Mais ouais, La Réunion, fromage. Et on a des envoyés spéciaux à La Réunion. Il y a Maeva Travel and Food qui est à La Réunion en ce moment même. Elle m'a dit, les samosas, ils ont augmenté de 20 centimes pièce. Avant, tu les touchais à 30-40. Là, tu les touches à 50-60 centimes et ça fait beaucoup. Salut Scooby-Doo! Et Charlotte dans le chat, comment ça va? C'est le week-end ou c'est comment? Est-ce que vous êtes en week-end là? Ouais, je vais voir si on n'est pas beaucoup pour faire le calque, se mettre en vocal sur le Discord ou quoi. Ça peut être pas mal, comme ça je vous drive en même temps, vous me dites. Comme ça moi je vous ai dans les oreillettes. J'ai des problèmes de CP dans les transports. C'est quoi CP? Des problèmes de CP dans les transports. De CP, genre la classe. Ça s'appelle sur Insta. Non, mais... Attends, je réfléchis sur Insta. Bon, si, ça peut marcher sur Insta aussi. Hein. Salut Angie, Marseille bébé. Comment ça va, Angie? Problème de réseau. Ah. Et salut vétéran, je t'ai pas vu arriver, comment ça va? Bah ouais, moi ça va. Là, ce week-end, je suis free. Et je suis free, genre j'ai pas de presta. J'ai pas de presta. Donc ça va être un peu repos. Salut Zandette! T'es à repos. Peut-être demain, je trouve un nouveau vlog. Peut-être demain... Ah, je fais pas un vlog demain, André? En vrai. Ça m'en joue demain? Ça m'en joue demain. Vas-y, go vlog. Askip, bébé crew 11. On peut ramener les collègues ou... Parce que... Ou c'est comment? Parce que tu connais, moi j'ai l'équipe derrière, c'est pour ça. Parce qu'après il faut que je ramène des gens et tout, t'as capté. J'ai 3 cubis de Saint James blanc, mais tu vas faire quoi avec 3 cubis? Ça va faire du rame arrangé ou t'as une belle soirée de prévu? Vas-y, je vais voir, parce que après tu connais, il y a Manu, il y a Zach, tu connais, il y a l'équipe, il y a les autres bails. Je vais voir, bah, je vais envoyer un DM après le stream.
Donc là, de l'échalote. Est-ce que j'ai assez aiguisé ce couteau? On va ciseler. Mais la Looney qui débarque. La plaisanterie est terminée. La plaisanterie est terminée. Bienvenue le raid. Salut Looney. Comment allez-vous? Vous avez bien roquetté. Elemental Morades. Bah ouais, moi ça va, là je viens juste de lancer. Réveillé de la sieste. On est pas mal. On est pas mal. Salut Clé, comment ça va? Important la sieste, ça fait longtemps que j'avais pas faite. Et franchement, elle m'a mis bien. Elle m'a mis bien de ouf. Ça se voit que tu te réveilles. Oh, parle bien toi, hein. Parle bien. Je veux dire à ta femme de se tenir, chachachou, parce qu'à un moment donné, oh. Ben moi ça va, je veux dire. Vraiment, je me suis réveillé de la... Je suis rentré, je suis parti au garage, machin, j'ai fait les courses pour le stream. Je suis rentré. Je me suis posé, je me suis endormi comme never. Je suis encore mort du coussin sur ta joue. C'est pas vrai, faux. C'était trop bon. Tu sais, en plus, je me suis réveillé, j'ai mis un réveil. J'avais anticipé le truc. Puis, le réveil, il sonne. J'ai dit, wow, j'ai pas envie. Hein. Tu sais, tu peux pas bouger. T'as des choses de prévues cet été, des vacances peut-être? Moi? Non. Salut Spilou! Ça dit quoi, Elemental? Ça fait longtemps, on t'a pas vu tout court. Non, non, moi j'ai pas de vacances. Là, c'est ma. L'été, moi, c'est ma période où je bosse. Donc j'ai des mariages. Des mariages en photo, en vidéo. Là, comme j'ai dit, pendant 2 semaines, j'ai rien. Enfin, j'ai pas de presta. Sauf qu'il y a les montages à faire, les retouches des photos. J'ai enchaîné. J'ai eu 3 prestas la semaine dernière. J'ai fait un mariage mercredi. J'ai fait un. Ah non, c'est même pas ça. J'ai fait un mercredi, un samedi, dimanche, j'avais un gala de danse et j'en ai refait un mardi. Et tout ça, entrecoupé des streams. Voilà, c'est juste pour vous donner l'info. Ça dit quoi, les mentales là? C'est quoi les bails là? Ça fait longtemps que tu m'as pas écrit un peu. Et toi, Louis, t'as des petites vacances? C'est quand que tu viens à Marseille? Parce que bon, c'est bien beau, moi, tout le temps, c'est moi, je viens à Lille. À un moment donné. À un moment donné. Lenny Dream, tu fais quoi pour les mariages exactement? Je fais des photos. Je suis photographe et vidéaste. Donc soit je fais les photos, soit je fais les vidéos. Donc si un jour vous vous mariez, ou que vous êtes dans un photographe ou dans un vidéaste, appelez le chef. Marseille, il fait trop chaud. Ben non, regarde, tu vas dans la piscine, dans la plage, dans la mer, ça te rafraîchit. Tu
passes ta vie dans l'eau et ça va. Exactement, voilà, tu vois, Chachachou. Bah, du coup, Chachachou, on t'attend aussi. Hein. Mais en vrai, faudrait que je revienne à Lille un peu. Faudrait que je vienne à Lille. Un ou deux jours. Ah, ben voilà! Ben voilà! Le 16e mois, MRC, hein! Du coup, c'était quoi qui marchait pas? Je vais chez mon copain. Alors attends. Je vais chez mon copain dimanche pendant deux semaines là. Et sinon, les deux premières semaines d'août, je serai chez ma famille que j'ai pas vu depuis février. Donc en fait, on te voit jamais en fait. Attends, non, quoique, en fait, il faut venir te voir les deux dernières semaines de juillet. Timing est serré. Quelle idée d'avoir un copain aussi. Salut Fredo! Comment ça va? Obligé d'aller sur le phone, brah! Mais c'est trop, c'est bizarre. C'est pas le navigateur? Ok, là on a notre échalote. On a ciselé finement à la main, sans se couper les doigts. Vous pouvez voir, aujourd'hui, ça va être chill, hein, le stream. Je vais tout mettre dans le bol. Et je vais vous donner des petits tips. Des petits tips pour avoir les meilleurs samosas du monde. Oui, je le dis. Et salut Maxi, une heure de métro à saliver en te regardant cuisiner. La bagarre! C'est l'été, puis la période où je vois ma mif, le reste de l'année, je suis à Lille. Non, mais je viendrai. Je viendrai te voir. Parce que bon, personne ne veut venir me voir à Marseille. Tout le temps, moi qui me déplace. Tout le temps, moi qui me. Non, mais si vous m'aimez pas, dites-le moi. Dites-le moi en vrai. Parce que Looney, je l'ai vu deux. On s'est vu deux fois. Les deux fois, c'est moi qui suis venu à Lille. Les Minkat, on compte plus le nombre de. Deux fois où je suis venu à Nice. Coucou, c'est quoi une MIF? Bah, c'est une famille. Une rencontre à Lille, ça m'intéresse aussi. Ah, bah Maxi, oui, Maxi 59. Un nombre de fois vraiment. Après moi je fais pas de rencontres, enfin Maxi je fais pas de rencontres, juste les gens qui rencontrent abonnés. Non non, si t'es dans le secteur, je le dis, après ceux qui veulent venir, on va manger. C'est surtout ça en fait, on va manger. Je vais pas dire je m'en fous de vous rencontrer, mais il faut qu'on aille manger à un moment donné. Et ça va mon Fredo, hein, on est là. Échalotes accrues, on les garde. On va prendre. Ça. On va faire toutes nos découpes maintenant. À peu près, la coriandre, je la mettrai juste à la fin. On a notre ciboulette. Celle-là, elle vient du Vietnam. Et c'est pas la ciboulette. En fait, c'est un mix entre de la ciboulette et de la cébette. Faut aller manger. Après, c'est vrai que. Je coupe les pointes sèches. La ciboulette dans une omelette. Oui. Là, ça donne ça, moi, ça. De la ciboulette, non, non, celle-là, je l'ai achetée. Celle de mon jardin, elle est là. En fait, elle est ultra fine. Donc, celle-là, je la garde vraiment que pour la présentation. Vous allez voir, les samosas, c'est vraiment simple à faire. Il y a des petites techniques.
C'est quoi, c'est des oignons nouveaux? C'est pas des oignons nouveaux parce que c'est beaucoup plus fin. C'est pas de la ciboulette parce que c'est beaucoup trop gros. Mais sur le paquet, il y a écrit ciboulette. Originaire du Vietnam. C'est pareil, à Mada, on n'a pas les mêmes... C'est entre la ciboulette et la cébette. Mais c'est la famille des oignons, quoi. Oignons nouveaux, tout ça. Chef Odette, les rimes, c'est chez Cloto. Il a dit quoi, Odette? De la ciboulette dans une omelette? Non, c'est la... les rimes, c'est partout. Allez, et on va aller de l'autre côté, côté cuissard. On va prendre une plus grande casserole, je pense. On va se mettre ici, feu à fond. On sort notre viande hachée. Salut Célinette! Comment ça va? Je suis allé chez le bout. Alors, normalement. C'est quoi ça, les oignons nouveaux? Bah, tu tapes oignon nouveau, tu vas voir, ça ressemble un peu à ça. Mais ça, c'est de la cébette. Tu vois? Et sauf qu'au bout, t'as un oignon. C'est des oignons nouveaux. Attendez, je vous remonte là. Donc là, on a 1 kg de viande hachée. Ça fait beaucoup, 1 kg. Bon, je vais la cuire de toute façon après. En fait, du coup, je voulais acheter. De base, je prends des steaks hachés normalement, surgelés. Parce que pour les samosas, vu que c'est réassaisonné et tout, ça passe. J'ai vu le prix au kilo des steaks hachés. C'est 10 euros le kilo. Mais j'ai dit, c'est des fous. J'ai dit, vous êtes des fous. Je sais pas s'il y en a qui en achètent, des surgelés. Je n'achète jamais, là j'ai vu le prix. Et ça, j'ai payé ça. Je viens d'acheter chez le boucher, c'est 12 euros le kilo. Je dis, ben quelle année, je vais prendre de la viande hachée fraîche. Tu as fui tes couteaux avec quoi? Juste avec ça, une petite pierre. C'est Linette. Il y a deux grains, c'est une pierre où il y a un gros grain et un grain plus fin. Voilà. Et après, si j'ai vraiment besoin... Non. Jamais j'ai vendu mon congélateur de toute façon. Ok. Non mais voilà, enfin. Le samosa, c'est pas un produit. Je vais éclater la viande hachée par contre, j'adore ça. C'est pas un produit de luxe, tu vois. Mais genre, je suis allé à Super U, j'ai juste regardé. J'ai vu 10 euros le kilo, j'ai fait, mais what? J'ai les 10 pour 6 euros à marché frais. Les 10 steaks, 6 euros. Ouais, ben là, tu vois. Frais, c'est pas bon congelé. Oui, c'est pas bon. Tu aurais dû les garder pour dormir dedans cet été. Ouais, mais tu sais, non, tu vois, le samosa, c'est un... Comme tu cuisines la viande et tout, c'est pas grave. Mais je dis, mais non, ben non. J'ai dit, vous êtes des fous. Prendre de la viande fraîche. Je ne me rappelle pas que c'était aussi cher. Donc là, on fait chauffer bien l'huile. Pendant ce temps, on se fait notre assaisonnement. Assez simple, sel, poivre. Poivre de Madagascar, évidemment, évidemment, évidemment. Donc ça, c'est du poivre sauvage. Votre super fer rouge. Avec le pilau. On pilau. Tu fais pas à la friteuse? De quoi? Les cuire à la friteuse? Bah si. Non? Du quoi tu parles, André? Oui, j'allais faire la casserole après. Parce que la friteuse, elle est loin, faut que je la nettoie. Ou je sais pas, je vais voir, peut-être que je la nettoie en direct. Et ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas, dimanche, si vous voulez cuisiner avec moi, il y a les ingrédients pour les recettes. Donc vous allez sur le Discord, dans Info Calque, Cuisine avec le chef, et ben vous trouverez toutes les infos. Ah putain, c'est vrai que j'ai pas mis un truc calque, c'est pas con ça. Allez,
ça va mettre ça. On met la haute. Comment on fait quand on n'a pas de truc pour pilonner? Mixeur, moulin à poivre. Simplement. Hier, rouleau à pâtisserie. Il y a plein de solutions. Donc là, on a mis la poêle, enfin la casserole bien fort. Feu vif. Un kilo de viande, tu fais combien de samosas? J'en ai aucune idée. Un kilo, je pense, on fait 80, 70, je sais plus. On verra, de toute façon, on va les compter. Je vais les faire, donc je vais tous les plier. Ça dépend après, parce que tu peux en mettre moins, tu peux en mettre plus, ça va dépendre de la taille de ta feuille. Ça va dépendre de la taille de la feuille, si tu le remplis bien, si tu as des petites feuilles, des grandes feuilles. Non, peut-être pas 80. Au moins 50, je pense, facile. On va voir, de toute façon, on va voir ce que ça donne. Wow, 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 wow. Pendant que ça couille, on va se préparer l'autre farce, fromage. Je vais prendre le bol. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont mangé déjà des samosas? Ou pas? T'es pas trop sel, t'aimes pas? T'es pas trop sel? Comment ça? Si, si. Là, ben, j'ai salé, j'ai poivré, là. Christ, dans la viande. Ah non, j'assaisonne toujours. J'assaisonne toujours. Allez, tac, on a notre petit bao. Donc vous voyez, l'avantage d'avoir une poêle, une casserole bien chaude, c'est que la viande, elle bout pas. Donc elle cuit, elle colore. Voilà. Notre rap. Le fromage. J'ai jamais parlé de samosa, mais déjà goûté. Ok, le fromage. Donc j'en ai un là, et j'en ai un là. Donc vous pouvez prendre du fromage râpé, déjà râpé. Vous le râpez vous-même, je trouve que c'est meilleur quand on le râpe.
Non. Ça, c'est Morgie qui le fait à chaque fois, elle rappelle le fromage. Chaque fois qu'elle vient sur mes streams, elle rappelle du fromage. On surveille la viande aussi. Attention de ne pas se râper les doigts. On va faire plus que ça. Tac, la viande. Avec votre spatule, voilà, on détache. Oh, le gris, comment ça va? Comment ça va? Et on va bien sécher notre viande. Donc voilà, les petites boulettes que vous avez là, on les écrase. Comme ça, il n'y a pas besoin de la mixer, la viande, derrière. Il y en a qui mixent la viande. Là, on va être très bien. Ça commence à être pas mal. On va laisser ça encore 2-3 minutes, je pense, ça devrait suffire. Et là, Galdouine, comment ça va? Des samosas. Ah, ah, là, on a senti. On a senti. Bah, ça va très bien. Et toi, ça te dit quoi? Quoi de neuf? Ma copine en fait tout le temps. Et pourquoi elle nous en envoie pas? C'est ça qu'on veut. Après, on va arriver sur un sensible, un sujet qui fâche ou qui me fâche particulièrement. Je vais t'envoyer. Ah, on veut. J'attends que le prix de l'huile baisse pour refaire des samosas. C'est vrai. Tu vois, Zandette. Les briques, c'est. Et Miali, des samosas, vraiment. Tu vois ce qu'elle m'a fait, Zandette? Ça m'a fait plaisir. Parce qu'elle a dit, j'attends que le prix de l'huile baisse. Parce qu'elle sait qu'il faut les faire frire, ces samosas, et que ça ne se cuit pas au four. Comment ça va, Miali? Version avec du thon et du poulet. Après, les samosas, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Voilà, mais la recette de base à Madagascar. Je parle de Madagascar, commencez pas à me dire. Au four, je suis pas. Mais ça peut pas marcher au four. Grise. C'est comme si tu cuis ton riz. Je sais pas moi. Bref. Après, on va se battre. Des samosas de tomates salées, trop bon. Oh là là. Parce que. Salut, je passe juste dire bonjour. Ça marche, qui roule? Ça part en week-end ou quoi? Ça va, long week-end, c'est la fête du Canada. C'est quoi la fête du Canada? Là, on est bien. Là, on est très très bien. Regardez au fond, il n'y a pas d'eau. On va couper ça. Et là, là, c'est l'astuce. Là, c'est l'astuce. C'est pourquoi mes samosas sont les meilleurs du monde. Non, juste ménage à finir. Oh, bah ça va, tranquille. Tranquille. Fête nationale, ok. À quand les samosas au rougail?
J'en ai... je sais pas si j'en ai fait, mais je peux en faire. Bah après, comme je dis, ça me semble pas mettre ce qu'on veut dedans. Mais pas n'importe quoi. Ce qu'on veut, mais pas n'importe quoi. La technique. Ça. En pur bonheur. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis ma viande chaude sur mes échalotes crues. Le secret, il est là. Les échalotes, on va pas les cuire dans la viande. Parce qu'on veut garder ce petit goût d'échalote. Donc on va les mettre juste dans la viande chaude, juste pour qu'elles cuisent un tout petit peu. Qu'elles se ramollissent, mais on les cuit pas dans la poêle. T'as capté ou pas? C'est ça la subtilité. Salut Doudi! Équipe. T'as capté? Ça, c'est ça. Parce que là, elle va juste se réchauffer avec la chaleur résiduelle de la viande. Et du coup, elle sera juste fondante, mais elle sera pas cuite. C'est juste ça. Ça, c'est le secret. Il y en a, ils font cuire les oignons, les échalotes, après ils mettent la viande dedans. Non! On veut encore ce petit côté juteux. Mais non! Doucement, les 1004. Seiya! 974, elles vont rendre l'humidité dans le samosa. Ferme bien la friture. T'inquiète pas. La fermeture. Comment il va, Seiya? Putain, Seiya, ça fait 2000 ans. Tu sais qu'on a envoyé Maeva en mission. Hein. On a dit retrouve-le sur l'île. Retrouve-le sur l'île. Je lui mets le couteau sous la gorge, je lui dis stream. Ça dit quoi, Doudi? Mais après, tu vois, genre là, ça, je vais le laisser refroidir, comme ça, l'humidité, elle dégage. Salut Félix, ça dit quoi? Donc ça, on le laisse refroidir. Et après, on rajoutera nos herbes. Ils sont à La Réunion, là Ils sont à La Réunion, ils sont déjà à La Réunion, ils sont arrivés dimanche, lundi. Ils sont arrivés là. Ça manquait un peu de sel. On rectifiera à la fin. C'est la bagarre sur Insta, sinon ça... Encore ? Eh, salut Sultan, La Réunion, elle est là. Perso, j'aurais fait caraméliser la moitié des échalotes dans une poêle et ajouter la viande pour la cuire, puis ajouter le tout dans l'autre moitié des échalotes. Mais on veut pas ce côté caramélisé sucré. Mais c'est très bon, ça pourrait être très bon. Parce que là, le côté de l'échalote mi-cuit, là, plus que jamais... Ah ouais, encore? Bon, c'est bon, il y en a marre, hein. C'est bon, ils ont pas abandonné. Fromage râpé. Donc là, on va faire... Mais non, le raid! Bienvenue à tous! Merci Alchimiste Demo pour le raid, bienvenue! Ce matin, j'étais à... Comment ça s'appelle? Magasin Asiat, j'ai failli acheter 50 bouchons. Après, j'ai dit non, sois raisonnable, chef. Et je les ai pas achetés. Mais j'aurais dû les acheter. Salut Eau de Perrier. Salut Stott les meilleurs. Attends, elle a dit quoi? La team rit avec du sel débarque de chez... Alors, rit avec du sel... désolé, non. Il dit n'importe quoi. Il a dit quoi? Du riz avec du sel? Ne dis plus jamais ça. Ne... Vous savez pas, vous. Ne plus jamais, non.
Respectez le riz, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas cuire le riz, je suis désolé, il n'y a pas de... Non, les gars, non. Vous croyez qu'on rigole avec ça? On rigole pas avec le riz. On rigole pas avec le riz. Ma maman fait les meilleurs samosas. Ah ben, on veut goûter. On veut goûter, Sultan. Après, je vais poser une question. Je vais poser une question simple, ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que vous avez goûté votre riz? Chachachou, t'hésite pas à ban def. Hein. N'hésite pas à ban def, hein, si y a la mauvaise réponse. Et merci Doudi pour les 100 bits. Quand tu viens, pas de soucis. Ben, j'espère, Sultan, venir bientôt. Là. T'es devenu trop dur avec les nouveaux. Y'a pas de trop dur. Y'a pas de trop dur. Parlez bien du riz. Qui boit du jus de yaourt par ici? Bah toi. Donc là, j'ai coupé ma petite ciboulette. Nani? Ouais, c'était pour Cloto. C'était pour Cloto. Est-ce que t'étais là au live de Cloto? J'ai vu le clip. Non, c'était incroyable. Moi, quand j'étais là en direct, hein, j'ai vu ça. J'ai dit non, c'est trop. T'as un petit DM, Chachachou. Je suis dans le mal, sinon je serais venu fort. Ah merde, je suis dans le mal. Il y a quoi? T'es malade? On rigole, c'est un fou. Ah là 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 là. Depuis hier la frève. Ah merde. Ah bro, c'est covidé ça, bro. Je crois que je vais en remettre encore un petit peu. Hein. Je vais en remettre un petit peu. Emma Opaline, comment ça va? T'as déjà fait du riz 5 minutes en 4,55? Je crois pas, non. Quoi? Mais qui fait cuire du riz en 5 minutes? C'est ça, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Chaud froid. Ah ouais, non, c'est dur. Il faisait si froid que ça à Paris. Les gars, si vous n'avez pas le temps de manger, mangez pas au lieu d'acheter des trucs rapides. Je comprends pas. Ça tire à balles réelles. Ah non, mec. Non, mais j'ai pas le temps de manger, faut que je travaille. Ah bah dis-nous pour demain, Doksha, s'il faut qu'on... Quel bail. S'il faut trouver un remplaçant demain matin. Ou pas.
Non, je serai OP, vas-y, carré. Bon, tu, au cas où, tu nous dis quand même demain. Je vais dormir fort. On va sortir la coriandre après. Team coriandre ou pas coriandre? Oui, la coriandre, c'est un goût de savon. Nanana, je sais pas quoi. Nanana, je sais pas quoi. Ah, elle est pas fifole la coriandre là. Elle est pas fifole. Ça va, ok, on est good. Je lève juste les grosses, grosses tiges. Parce après, les petites tiges, on peut les garder, hein, ça a du goût. Team Coran. Non, mais c'est eux qui les savons, ouais. Voilà, on est d'accord, on est d'accord. On va juste hacher notre coriandre. Alors si vous pouvez le hacher à la main, c'est beaucoup mieux que le hacher dans un robot. Parce que le problème du robot, c'est que ça va faire chauffer votre coriandre. Et elle va noircir après. Avec la chaleur. J'ai fait soupe d'asperges ce soir, ok. Est-ce que tu mettrais pas ça sur le Discord? La petite photo de ta soupe d'asperges. Ah, déjà mangé. Ah ouais, mais quelle heure il est? 18h, mais t'habites où? Donc voilà, on a notre coriandre, on a notre viande. Encore un peu chaude. Je vais faire refroidir là encore. Paris, ok, vous avez faim. Il a mangé à l'heure. Bon, peut-être qu'il a pas mangé ou qu'il mange tôt. C'est ceux qui commencent le boulot tôt là, ils mangent ultra tôt. Je vais rajouter un peu de sel. Tu manges léger. Oui, non, mais c'est pas ce que t'as mangé, c'est l'heure à laquelle t'as mangé. La musique, c'est de la musique réunionnaise. C'est du Sega, ça s'appelle.
Donc là, on a rajouté nos herbes fraîches. Coriandre. Ciboulette. On peut trouver ton couteau sur le site Naki Wasabi. Il y a les liens dans le Discord. Donc voilà, vous avez toute la quantité d'herbes qu'on a mis, ça c'est important. C'est ça qui va donner, qui va apporter le goût. On va bien mélanger, on va venir goûter. Et là on rectifie sel, poivre si besoin, si besoin d'herbes. Fromage, on va venir le mélanger. Ok. On va passer aux choses sérieuses. La pâte à samosa. La pâte à samosa. C'est ça. C'est tout. Feuilles de brique. C'est pour faire des briques. Pas des samosas, ça. Feuilles de brique, brique. Simple. Et c'est pas parce que c'est un triangle que c'est un samosa. Ouais, Fiola, comment ça va? Bon, je répète. Je répète, vous avez bien grand vos oreilles. Les feuilles de brique, c'est pour faire des briques. Les feuilles de brique, c'est pour faire des briques. Que tu l'as plié en rond, en triangle, en je sais pas quoi, c'est une brique. C'est pas un samosa. T'as capté ou pas? C'est comme si tu prenais une pizza, tu la plies en triangle, tu dis c'est un samosa. Ben non. Voilà, on va partir sur, une, sur des bails. Des pliages. Hein. Ça, c'est du coup. Putain, j'ai trouvé des mini feuilles de briques là, maman. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ben oui, mais où? Quoi? Pour faire quoi?